<laughs> Bonjour. Euh, mon nom, c'est Jocelyn dans l'émission Le feu de l'action, l'émission gratuite du mercredi. Euh, <coughs> désolé, <j 'ai rire> on a eu un petit problème technique au niveau de l'audio. Je me cherche un peu dans le système. Euh, c'est pas mal nouveau, ça fait que ça fait bien du stock à se rappeler en même temps. Donc, euh, <coughs> je me cherche. Bon, bien, mon nom, c'est Jocelyn, comme je vous disais. Euh, Michel, euh, il est parti euh, euh, pour euh, les raisons médicales. Euh, on garde une bonne pensée pour Michel euh, pendant, pendant qu'il va à son rendez-vous. Puis, euh, en passant, merci, Michel, pour les bonnes pensées que tu m'as laissées. Euh, c'est ma première, première, première diffusion euh, pour l'émission euh, Le Feu de l'action, puis... Euh, c'est ça, c'est ma première diffusion. Donc, un petit peu nerveux, un petit peu, je me cherchais un peu, mais gardons, on passe au travers, c'est comme autre chose. Fait que c'est ça. C'est pour abréger tout ça. Euh, donner vite fait comme ça, euh, comme je vous avais dit tantôt, mon nom, c'est Jocelyn. Euh, je travaille depuis euh, le mois de février euh, pour Décision Plus. Ça fait longtemps que quand même que je suis eu, Michel. j'ai connu. Euh, j'ai commencé à suivre Michel euh, euh, dans le temps qui était à son émission « Le feu de l'action » sur le canal Argent. Puis, euh, c'est ça, j'ai euh, suivi depuis ce temps-là. Il y a un bout, de temps moment donné, euh, ils ont fermé le canal, ils ont fermé le, la chaîne. Puis, euh, c'est ça, un moment donné, ben, euh, j'ai recherché <laughs> Michel. C'est arrivé tellement vite, là. Euh, puis je l'ai trouvé, euh, trouvé sur le web, puis euh, je, je me suis mis à suivre Michel parce que j'ai toujours quand même aimé ça, la bourse. J'ai toujours trouvé ça fascinant, les choses qui se passaient là. Euh, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était complètement déconnecté de la réalité, et je m'aperçois que non, quand on entend des nouvelles, quand on entend des choses, euh, quand il se passe des choses dans des compagnies, ça se reflète là-dessus. On, on, on a vraiment un aperçu. Global de ce qui se passe euh, euh, vraiment dans le monde réel. Euh, donc, c'est ça. Euh, pour euh, abréger, euh, aujourd'hui, <laughs> la date, on est le 7 avril, il est midi et 9, ils sont midi et 10, euh, on est mercredi. Euh, bon, les nouvelles de la journée. Donc, euh, <coughs> C'était qualifié le fabricant de capteurs Lidar Auster, qui est OUST sur le canal euh, sur euh, Nasdaq. je juste un petit moment, s'il vous plaît. Bon, une petite affaire que j'ai oublié de faire. Une petite préparation, là. OK, donc. Euh, OUST euh, sur euh, New York, euh, le leader dans son secteur. Bon, c'est ça. CT qualifie le fabricant de capteurs euh, Leader Auster de leader dans son secteur et fixe un prix cible à 17$. Donc, euh, il figure que, euh, je ne me souviens pas combien ça avait parti, euh, mais ils disent que l'action devrait être à 17$. Bon, où -ce sont mes graphiques? Comme je vous disais, je me cherchais un peu. Ah, 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 ah. Dis-moi pas que ça a été fermé. On a eu des petits problèmes techniques, donc je me... <laughs> oh boy. Ok, bon, on va y aller autrement. OUST sur New York. OUST sur New York. Qu'est-ce que ça dit ça aujourd'hui? Hop, mauvaise souris. Donc, euh, c'est ça, ça euh, a parti ce matin, oups, là je suis en hors-séance, on enlève la hors-séance sur ça. Donc, euh, la fermeture était à 7,85, ça a parti à 8,75, ça a fait une petite montée, ça, bon, c'est ça. Puis là, ça se maintient à... Euh, à, 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 à. Euh, ça se maintient à 9,82 Donc, il n'a pas atteint encore son 17 comme il disait qu'il ne pour pas faire. Ça, c'est pour eux, au UST. Euh, la plus grosse startup singapourienne, Grab, GRAB, ça a l'air fond du transport, livraison de nourriture et solution de paiement, va devenir publique via euh, la SPAC Altimeter Growth, qui est AGC sur le Nasdaq. On va aller voir que ça a l'air. Uh, 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 uh. AGC. Oups, qu'est-ce qui est arrivé là? Uh, 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 uh. Bon. Ok. Oups, je suis sur euh, Venture. Uh, uh, uh. Uh, pourquoi? Bon. <guide> La première gourde AGC sur, sur Nasdaq, ben oui. On recommence. Oh, AGC. Oh, je tombe sur euh, Venture. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, en tout cas. Je sais pas si c'est vraiment la même, la même chose. Je le trouve pas ici. Euh, OK. Désolé pour ma, ma petite gourde. On va essayer autrement. Bon, lève-le qu'est-ce que ça disait? Euh, ils ont, ça, la fermeture était à 12h71, l'ouverture était à peu près à 14 Ça n'a pas fait grand-chose. À part de, de descendre, on a eu un petit rebond ici vers euh, 11h10, puis là, on est sur un mouvement neutre, juste comme ça. Euh, le producteur de papier. IT-Tech Packaging, ITP sur Amex reçoit l'approbation des autorités chinoises pour la production d'électricité et de chauffage industriel à base de biomasse. Euh, donc, ITP sur Amex, on va aller voir ça. ITP, oups, pourquoi je double-clique là-dessus, moi? Rechercher, oups, c'est introuvable. Mm -hmm. ITP. Bon, ça dit quoi, il était aujourd'hui. Donc, ça a, la fermeture était à 28,91 environ. Euh, depuis l'ouverture le, le, ce matin, on a eu une tendance haussière. Euh, on, on est sur un mouvement neutre présentement, entre euh, 28,15 28,35, ça a dans ces eaux-là. Et volume, c'est pas fameux. Euh, bon, la prochaine nouvelle. Le fabricant de tests COVID-19, Lumira DX, va devenir public via la SPAC Healthcare Acquisition, qui est le CAHC sur NASDAQ. CAHC sur le NASDAQ. Bon, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a ouvert ce matin à 10h25. Un, 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 ça a fait un petit jump. Après ça, ça a, pff, ça a tombé à 10 et 13. Puis depuis ce temps-là, ben, ça ne fait pas grand-chose. Hein? On est rendu à présentement. Oh, hey, quand je ne hey, suis pas habitué de travailler avec ce système-là. Ça apparaît. Je suis plus habitué avec mon ordinateur, avec ma multisode d'écran que j'ai euh, enlevé. Fait que là, c'est ça. On serait rendu à peu près à. 10 et 6. Ah, à part de ça, dans les nouvelles, qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Euh, événements techniques. Euh, ah, C'est ça. une journée quand même assez tranquille aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez vu là, euh, ceux qui étaient là ce matin avec Michel. Bon, j'ai perdu mes graphiques. J'avais fait mes tableaux et tout ça. Puis, euh, là, je les ai perdus. On a eu un petit problème technique, comme je vous disais tantôt j'avais mes, mes, mes quatre tableaux de 12, les stocks américains, les stocks euh, canadiens. Euh, on n'avait pas une grosse brochette ce matin. Euh, euh, bon, si je regarde sur, dans ma liste 3, on avait notre site à nouvelles qui est CAHC. Euh, on avait ASTC, comme on peut voir. C'est tranquille. Je, les, les, les marchés de ce temps-là là, sont... Sont, on dirait qu'ils sont en attente de quelque chose. Puis tout ce qu'on a, c'est souvent, c'est des, euh, des, ce qu'on appelle des « market rescue ». C'est-à-dire qu'on ne laisse pas tomber le marché. On continue à, euh, à mettre des sommes pour garder le marché le plus possible euh, en forme, si on pourrait dire, là, manière de parler. <coughs> euh, ITP, il y avait quelque chose sur ITP. Je ne me souviens pas c'était quoi. Euh, on remarque des baisses. AGC, ah, encore là. Les baisses avec, euh, comme je disais tantôt, les mouvements de côté. Il ne se passe pas grand-chose. C'est tranquille. C'est tranquille. Euh, au OUST, je me souviens pas c'était quoi là-dessus, qu'est-ce qu'il y avait eu. Les marchés sont, comme je vous disais, on, on, on cherche un peu. Les volumes ne sont pas au niveau qu'ils devraient être. On est en quoi ici? On va aller voir en 15 secondes. En 15 secondes. Bon, comme vous pouvez voir, les volumes, c'est pas extra. C'est pas extra. Le marché se cherche. Cibat. Il y avait eu une nouvelle sur Cibat. Euh, euh, sur un site spécialisé. Fabien nous a trouvé ça ce matin. Euh, comme quoi qu'ils avaient. Ils étaient après développés. Euh, une nouvelle technologie pour les batteries des, vé des véhicules euh, électriques. Il y a beaucoup de, de, de développement de ce côté-là. Ces euh, si ils, euh, sont, ils sont dans, dans le développement de nouvelles euh, euh, sources, euh, sources d'énergie, des nouvelles batteries là, pour, comme, comme source d'énergie pour les véhicules. Mais il y a quelques autres compagnies aussi, je ne me souviens pas laquelle. Là. Je sais qu'il y en avait une, une autre, elle m'a il quelques semaines. Euh, TMDI, euh, titan médical, ce euh, qui faisait partie de nos titres. Présentement, on n'est pas, on on pas mal sur le. le, le, le les mouvements neutres. Donc, il ne se passe pas grand-chose présentement là, euh, sur les marchés. U-Time, on a eu quelques petits arrêts ici, des arrêts de transaction. Euh, on a eu 1, 2, 3, 4. 5, 6. On a eu pas mal d'arrêts de transaction là-dessus. Là, présentement, on est encore... Euh, <coughs> on est encore sur... Euh, euh, il fait plus grand-chose. On est tranquille. Les volumes, les volumes m'ont donné, On est encore en 15, secondes, en une minute. Il est bon les volumes ne sont pas là. Euh, ce matin, plus tôt, si Je vais voir ici en deux minutes. Euh, on a eu euh, les volumes qui étaient autour de. Bon, n'était pas euros. 30 000 à peu près. Euh, ouais, je me charge un petit peu. Désolé pour ça, <coughs> OK. Donc, ça avait parti, ça avait parti fort. Puis là, bien là, ça se calme. UTime. Euh, TMDX. Euh, qui était un autre de nos stocks, ça n'a pas fait grand-chose non plus. Euh, sinon. Comme vous pouvez voir, c'est pas mal tranquille. C'est pas mal tranquille. Euh, SOS, un stock qu'on a su quand même depuis un, un, un certain temps. Hier, il n'avait pas fait grand-chose, si je me rappelle bien. Non, c'est ça. C'est. C'était le flat line là, euh, total. Là. Il n'avait pas fait grand-chose, on voit ici notre mouvement de côté. Si je vais voir un petit peu plus, euh, <coughs> plus loin, question d'avoir une plus grande perspective. Tout ça, il s'était calmé. Euh, on va aller voir ici. Oups. Un petit peu nerveux le gars. Bon, c'est ça. Euh, vers la fin de mars, il avait, il avait quand même bien performé. <coughs> vers la fin de mars, jusqu'au 29. Après ça, bien, à partir du 30-31, là, euh, il commençait à se, ben, il avait commencé à se corriger à partir du 30. <coughs> Puis si on revient aujourd'hui... Là, il s'était calmé. Puis là, aujourd'hui, il a donné un petit coup ce matin... Bon. Je suis habitué à mes affaires à moi. <laughs> Attendez un petit instant. Bon, c'est ça. À partir de ce matin, là, il a donné un petit coup ici. Euh, on est allé en hausse ici à partir de 10h55, 58 à peu près. On a donné un coup ici. On a eu un signal d'achat ici. Prise de profit. Après ça, bon, une légère correction. Après ça, un autre coup. Un autre signal d'achat ici. Un autre ici. On prend les prises de profit. On protège, on protège nos, euh, notre argent. Prise de profit. Depuis ce temps-là, on est en correction. Euh, SOS, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Excel, Excel. Euh, il était dans nos affaires matin. Oui, il était dans nos affaires matin. Euh, ben, c'est pas mal ça. C'est comme comme on disait depuis de un bout. Les, ça, les marchés sont, en, sont ils sont ils se cherchent ils s'en vont à, à l'avocat voix que C'est plutôt ça là. Donc, on est en correction, les, 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 les volumes, on n'a pas autant de volumes que mettons que j'ai vu des journées que c'était vraiment mais vraiment mieux que ça. H uh, n encore uh, en, en correction. Donc, on est en élan, On s'en va vers une baisse. Uh, Bébé BlackBerry. BlackBerry, il y avait une nouvelle là-dessus. Je ne me souviens plus exactement. Mais Blackberry, uh, depuis de le téléphone, lui, entre, entre vous et moi, il ne fait pas grand-chose. À part de s'associer à certaines technologies par rapport uh, aux véhicules électriques, si je me trompe pas. <coughs> Donc, on est encore vers des baisses. Euh, sur les marchés canadiens, sur les marchés canadiens, on va regarder en intra-séance. Donc, on avait Interlapse Technology Corp qui est sur euh, Venture INLA. Euh, il se passe encore là. Il se passe pas grand-chose. Les commandes, on, depuis qu'on on se répète depuis tantôt, là, les marchés se cherchent. TNMD, quand même, euh, qui a donné un coup ce matin. Puis depuis ce temps-là, on s'en va par là, envers euh, le bas. Puis, euh, ça, c'est le mouvement de côté. Qu'on a fait un bout comme ça. Puis, tendance baissière là-dessus. Donc, euh, IVQ. Passe pas grand-chose. Euh, Cg Il ne se passe pas grand-chose là non plus. Euh, Blackberry sur Toronto. C'est la même chose que le Blackberry <coughs> sur euh, notre marché américain. SES. Donc, euh, comme vous pouvez voir, on a courbe ici, toujours en élan baissier. Ce n'est pas facile de tout gérer ça en même temps. Là. Ouf! On est loin du temps que je vois d'un groupe de musique. Euh, OPS. Donc, ça, c'est les marchés canadiens. On a Food. On a eu uh, Good Food ce, ce matin <coughs> qui a commencé fort. Puis, depuis ce temps-là, encore sur un élan bc Là, on est présentement en mouvement neutre. Euh, ONX. Je pas grand-chose encore là. Goose Canada Goose Holding. On a eu un petit peu de d'action ici. Un mouvement neutre. Puis là, ben, on se maintient à 51 et 50 environ. INE, euh, en Energex Renewable Energy. Donc, c'est ça, les marchés en résumé, il ne se passe pas grand-chose. Euh, <coughs> il ne se passe pas vraiment dans. Ils, je veux dire, c'est bien calme. Là. On va aller voir si on ne trouverait pas quelque chose à se mettre sous là-dedans. ODT, non. ODT, une correction majeure là-dessus. OCGN. Oh, euh, Apple, Apple, Apple. Qu'est-ce qui se passe avec nos quatre marchés? Ça serait une bonne affaire de vérifier ça. Hein? Ah, livre-là mes tableaux. <laughs> Donc, euh, on voit ici le Nasdaq qui est proche. Il fait un petit jump ici. Il est juste au-dessus de la barre de son. De sa de, de fermeture ici. Euh, le Dow Jones, <coughs> le Dow Jones qui a. Euh, comment est-ce qu'il a fermé? Hein? Donc, il était encore, est Encore les mêmes. Euh, c'est ce, ce qui se répète pas mal tous les jours. Les marchés se cherchent. On est légèrement au-dessus de la fermeture. Euh, le SPTT Toronto, qui est aussi légèrement au-dessus de sa fermeture. On voit ici des petits rebonds. Ils font tout ça. On a tout ça sur tous les marchés. Le la même chose. nos 12 graphiques, nos, nos, nos graphiques, nos douze... Euh, on a U-Time qui a quand même donné une poussée. Il vient de faire ça, ça fait pas longtemps. On est en combien de temps ici? On est en 15 secondes. OK, il était en arrêt de transaction. On regarde la que là, il est après ceux qui étaient là-dedans présentement. sont sur le bord de perdre de l'argent, là. Fait que c'est le temps de prendre des profits si vous êtes déjà dedans. Euh, je m'interroge sur les volumes. Fait qu'on a ça une belle. une autre montée de U-Time. On va aller voir dans une minute. Question de voir. Avoir une meilleure perspective. Bon. OK. Ce n'est pas évident euh, d'animer une émission comme ça. On a l'impression de se parler tout seul. 30 secondes. Bon, fait que ça, U-Time, il vient nous donner une, autre, euh, une poussée présentement à midi h 30 euh, hein, Qu'est-ce qu'on a d'autre ah, j'ai sais, Peut-être on va aller voir ça. Non. OUST, Houster. On n'a pas grand chose à se mettre vraiment sous la dent. Il faut, faut faire vraiment attention pour les volumes. Là. Si vous pensez embarquer dans des stocks et les volumes ne sont pas là, vous risquez de vous faire avoir. On va regarder notre deuxième tableau d'aujourd'hui pour les stocks américains. Qu'est-ce qu'on a? SOS, on est en correction. Excel, oups, en correction. Ouais, je vais changer un petit peu la perspective de ça. HYLN, on est en correction. Blackberry, on se parlait tout à l'heure. Euh, donc, on, on, il se passe pas grand-chose. Tout est en élan baissier. Ellie, qui a commencé euh, très bas ce matin, il ne se passe à rien. On est sur un mouvement. Attendez un instant. Encore là, mouvement de côté. Mouvement neutre. Ici. Euh, Beyond Meat. J'ai lu une nouvelle sur Beyond Meat ce matin. Euh, ça n'avait pas été euh, publié sur nos, euh, <coughs> sur nos nouvelles de la journée. Il n'y a pas eu une grosse incidence de toute façon, comme on peut remarquer ici. Beyond Meat avait ouvert à 137,74. Il a fait euh, un petit bump ici. <coughs> Puis depuis ce temps-là, euh, il est allé en chute. Il est allé en chute. La, la nouvelle, c'était que je crois qu'en Chine, Beyond Meat était pour euh, avoir des opérations là-bas. Je ne me souviens pas exactement, mais je sais qu'il y avait une nouvelle là-dessus là, en rapport avec la Chine. CCIV, qui est un Churchill Capital Corp, encore là ce matin, il n'a pas fait grand-chose. Encore... Euh, un élan baissier. Et on est sur des mouvements neutres. TH, euh, Target Hospitality. Encore là. Ce matin, il est parti à 3,29. On a eu une, une montée rapide à 4,17. Ceux qui ont embarqué là-dedans, il fallait prendre des profits. En tout cas, le plus tôt possible. <coughs> fallait prendre des profits. Après ça, il s'est corrigé. Puis depuis ce temps-là, on s'en va de côté. Mais ici, ah, peut-être Il euh, faut toujours surveiller nos, nos volumes. <coughs> là, présentement, on n'a pratiquement rien. Ce matin, les gens qui ont embarqué là-dedans, il fallait surveiller les volumes. <coughs> Pardon. Pour être autour de 75 000 aujourd'hui, ben le présentement, on est, on est comme pas là. Euh, APDN. Qu'est-ce qu'il fait Pdn Encore là. Pouf. Correction. Il a donné un, un, un rebond ici. Après ça, il s'est corrigé. Puis après ça, ben, qu'est-ce qui arrive On est sur un mouvement de côté. PDN. <coughs> bon, ça c'est dans nos stocks canadiens. On les a regardés tantôt. Dans nos stocks canadiens, il se passe pas grand-chose encore là. Food. <coughs> Qu'est-ce qui fait food ouais. Oui. Il sur un mouvement de côté là aussi. Puis notre dernier tableau canadien. Euh, bon ben dans le fond, ce que je fais, je t'apprends me répéter. Bon, on va regarder nos quatre marchés. Qu'est-ce qui se passe avec ça Donc on a, on a des rebonds. C'est ce qu'on remarque sur les marchés. On a, attendez un instant. On va regarder. On va changer la perspective ici. OK. Donc, <coughs> on s'approche d'un support, le support qu'on avait hier. On est proche du support qu'on avait hier. On n'est pas rendu encore. On, avant de passer là, on va faire se rendre à zéro. Donc, à la fermeture qu'on a eue hier. <coughs> Donc, un rebond ça, puis là, il descend là. Puis là, évidemment, s'il si traverse prochain arrêt, ça devrait être ici à peu près. Donc on se maintient pas mal dans cette zone-là. Pour le Nasdaq, le SPTT, on est... D'un support solide ici. On n'est pas rendu encore, on est au-dessus, on est à 191 20 Le Dow Jones. Donc, depuis le 5, le côté industriel on est sur une descente, une tendance baisse à, à gros globalement. Euh, il a traversé sa, son support ici, puis il s'est fait là, après se faire un autre support ici. Euh, Celui-là ici, j'aurais peut-être dû le faire un petit peu plus loin. Donc c'est pas mal. Euh, la calme sur les marchés, le spike qu'est-ce que ça dit? On s'est fait un autre support ici. Puis, on attend. Je pense que Biden, il y avait encore euh, quelque chose à dire aujourd'hui concernant euh, son projet 2,2 euh, trillions. C ça se peut-tu? Donc, grosso modo, c'est pas mal ça. Oh, il ne se passe pas grand-chose, et marcher c'est tranquille. On va aller voir pour un scan. On va voir s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait encore là, se mettre sous la dent. On était. perspective là-dessus. 5 minutes, question d'avoir un plan un petit peu trop loin. Bon. Euh. Donc, on ouvre, au DT, on ouvre. Bon, il était dans nos stocks, là, je pense, ce matin. Attends, de je vais m'aider avec mon autre ODT. <coughs> non, je ne le vois pas. Donc, a, on a eu une hausse sur ODT ce matin. On a eu le signal ici pour l'achat. On regarde ici les volumes qui étaient à 750 000. Il fallait prendre une prise de profit. Ici, question de protéger notre investissement. Il a continué à monter. Il a fait une légère correction. Un autre poussé. Correction, on a eu un signal d'achat ici. Prise de profit. Un autre signal d'achat ici. Si vous pensez rentrer là-dedans maintenant, ça serait un peu tard. Ça ne serait pas le bon moment. Parce que on est rendu dans une te tendance baissière. Donc, euh, qu'est-ce qu'on aurait d'autre à parler de ça, OCGN? Je ne sais serait ici. Donc, si on aurait OCGN, hein, il a bien fait ce matin. Il s'est corrigé ici. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre OCGN est tu dans nos stocks à matin? Non. Et aussi... Ah, j'ai pas parti à bord de la question. Ah, je me cherche un petit peu. <laughs> c'est pas évident. Euh, Apple, bon, dans notre Q12. Et hey boy. Bon ben on va prendre une petite pause. Je me cherche un petit peu trop là, je vais essayer de voir où est ce qu'il y a le Q12 en ça. Bon? <laughs> OK. J'ai le micro. J'avais muté le micro. D'habitude, j'ai mon petit écouteur ici qui fait que je m'entends quand ça fonctionne. OK. Donc, euh, bon, c'est ça. Le Q12 n'a pas été configuré dans le système, donc je, on va passer tout droit là-dessus. Là. Euh, comme je vous disais, comme je vous disais tantôt, là, quand le micro était muté, il euh, n'y a pas de Q12 qui a été euh, configuré dans mon système. Donc, c'est assez difficile à, à aller voir euh, euh, quest ce qu'il y en a. Je ne veux pas trop perdre mon temps non plus avec ça parce que ce qui se passe, c'est que euh, tout simplement euh, les marchés sont, sont hyper tranquilles. Là. Et c'est une, une belle euh, occasion. Euh, c'est une belle occasion pour euh, discuter un peu, là, apprendre à se connaître. là. Je veux dire, question de voir, euh, bien, qu'on qu qu se connaisse. Moi, je ne suis pas familier avec ce, ce, ce système-là. Fait que je, je me cherchais un peu. Mais avec le temps, on, on va s'améliorer. Puis, comme je vous disais, ben, Michel, présentement, il est euh, parti pour une opération euh, des choses médicales. Là. Puis euh, éventuellement, euh, je vais avoir des interventions de temps à autre. Fait que je vais me familiariser avec le système. Puis euh, on va configurer le système aussi euh, au fur et à mesure là, pour pouvoir euh, euh, répondre euh, aux besoins de la clientèle. Euh, puis, autre chose par rapport aux besoins de la clientèle, euh, attendez un petit instant ici. Bon, par rapport aux besoins de la clientèle, il y a des choses que Décision Plus, on est après travailler dessus, là, des, certains projets, euh, des cours. Fabien est après travailler sur un projet de cours euh, en français pour euh, que question que familiariser, familiariser euh, la clientèle avec euh, Market plus euh, Market vision plus et trader plus gourou il y a des choses qui, qui vont changer euh, sur le site de gourou éventuellement aussi euh, parce que nous ce qu'on veut faire c'est on veut vous accompagner tout au long de votre cheminement sur la, euh, sur la bourse euh, on veut vous coacher, euh, on ne veut pas arriver et dire bon ben ça coûte temps puis après ça, on donne vous donne l'enseignement puis arrangez-vous. C'est pas ça qu'on veut faire. C'est pas ça la mentalité de la compagnie, mais pas du tout. C'est <coughs> du coaching. On va faire du coaching euh, interactif euh, avec la clientèle. Euh, J'ai Céline qui m'envoie un message ici qui dit Bravo, ça va bien. Oui, ça va bien, Céline, merci. Euh, merci pour les mots d'encouragement. Euh, bonjour, j'aimerais acheter APHA. Euh, euh, Est-ce euh, un bon moment? Quel, est, serait, quel serait son point d'entrée? Et finalement, que peut faire quand les transactions seront faites avec Thurry la semaine prochaine? Oh boy, là, tu m'en demandes. <laughs> Michel, tu m'en demandes. Là. Euh, Ma première intervention. J'essaie d'être le plus technique possible, mais il y a des choses que j'ose pas trop pour l'instant. Euh, André de Dramon. On dit souvent c'est le calme avant la tempête. Possiblement que c'est ce qui se passe sur le marché. Avant la descente, t'en penses quoi? Lâche pas, ça va bien. Ah, merci André pour ton mot d'encouragement. Puis euh, <coughs> le calme avant la tempête. Euh, je pense que la tempête est pas mal passé. Les marchés sont au maximum. Là. Quand on regarde là, le Nasdaq, euh, si je prends l'exemple exemple, le Nasdaq, si je recule là, quand même assez loin, le plus possible. <coughs> le Nasdaq, là, écoute, là, euh, voilà un an, ouais, on ne le voit pas ici. Hein. Attends, on va essayer d'avoir euh, Market Vision. On va aller voir dans le QQQ. Oups. Euh, Bon, euh, bon, la souris là. Euh, quand on va, quand on recule loin en arrière, là, quand on recule loin en arrière, euh, André, si tu regardes là, euh, ici, ici, oups, l'autre bord de la flèche. Bon, <laughs> ici, ça c'était au mois de mars 2020. Regarde là. Regarde bien, la tempête, c'était ici qu'elle était. Quand le w, uh, WSO? World, uh, World, uh, Health, uh, WHO, World Health uh, Organization, uh, a annoncé officiellement qu'on était en pandémie, c'est là que ça s'est mis à brasser. Là. Pouf! Le Nasdaq, est, il, il a descendu. Pouf, pouf, pouf. Euh, je ne sais pas si, si tu te rappelles, euh, André. Euh, ça avait commencé avec un bateau, un bateau qui était un bateau de croisière qui avait été mis en quarantaine parce qu'ils avaient trouvé euh, des virus, là, en tout cas le virus. Puis là, ben. Quand ça a commencé à jaser, que c'était après se propager, les marchés ont commencé à descendre, comme tu peux voir ici sur le Nasdaq, le, le, le QQQ. Ça a commencé à descendre. C'est là que ça a commencé à brasser. Là. OK? Et depuis ce temps-là, si tu peux bien voir, on a eu une des tendances haussières parce que, côté. Euh, euh, là, là, on parle sur plusieurs mois, là, quand même. Euh, il y a eu des choses qui ont changé, des nouvelles méthodes de, 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 de travail, si on pourrait dire, le télétravail, tout ça qui, euh, qui s'est installé. On a eu ici, comme tu peux voir, des mouvements, ce qu'on peut appeler des mouvements en neutres, parce que les, 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 la, la, la tendance, maintenant, si tu regardes ici, on a eu une montée ici. Elle a été annulée ici. On a eu une autre montée là. Elle est annulée ici. Puis euh, les marchés se sont mis à monter parce qu'on a eu du, du rescue. Il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté dans les marchés pour qu'ils euh, qu restent forts. Là, présentement, on est dans un top de marché. Si tu regardes ici, là, euh, je pense le, 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 le plus haut sur le QQQ. Que le marché a été, c'était à 3,37, si je me rappelle bien, j'y vais de mémoire comme ça. Là. Puis on est présentement à 3,31. Donc on est, les marchés sont forts. Mais là, regarde qu'est-ce qui se passe là. On a une résistance qui s'était faite, comme je te disais, à partir de 3,37. Puis là, présentement, quand c'est fort, ça, ça veut dire comme ça, là. quand c'est plafonné comme ça. Là ça ne va pas nulle part, ça va pas nulle part. On est rendu dans un top euh, les marchés euh, quest ce qui se passe, ce qu'ils attendent, ils, 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 ils cherchent des nouvelles pour pouvoir que ça monte ici puis que ça monte que ça continue à, à monter. les compagnies, les investisseurs présentement même s'ils voudraient mettre de l'argent sur les marchés pour faire de l'argent, Présentement, c'est vraiment du court terme, du même du très court terme. Les volumes ne sont pas ce qu'ils ont déjà été, parce que c'est quand même tout est incertain. Les marchés sont maintenus artificiellement. Il euh, n'y a, a, de, 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 a pas de momentum dans les marchés présentement comme tel, parce que c'est de l'injection euh, d'argent puis de l'injection d'argent qui fait que les marchés restent là parce que moi, je pense que s'il n'y avait pas ça, on serait bien en bas. Euh, les, les temps changent. Il y a eu un temps que quand il y avait euh, euh, des, des, des choses mondiales, des problèmes mondiaux comme ça, les marchés, ils plantaient carrément. C'était les, 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 les dépressions, après les récessions. Et tout ça. Bon, on ne fera pas un tour de, historique là, des marchés. Mais c'est quand même, c'était la grosse des presses mondiales. Euh, fait que là, présentement, on est sur des tops. On attend après des bonnes nouvelles. <coughs> Il y en a une fois de temps en temps. Il y a des nouvelles bidons, là, comme euh, euh, telle compagnie va euh, euh, nommer un nouveau CEO. Fait que là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des petits rebonds euh, sur des compagnies. Là, je le fais sur le QQQ, là, mais si on regarde en général, euh, si on regarde sur… Euh, sur des compagnies quelconques. Euh, c'est le genre de nouvelles qu'on a à faire là, vraiment de ce temps-là, parce qu'on n'a pas d'autre chose là, pour euh, euh, fueler le système. Là. Fait c'est ce qui se passe présentement. C'est ma réponse. C'est ce que moi, je crois, euh, André. Euh, si -vous, y a-t-il d'autres questions qui sont rentrées? Il faudrait que je regarde. Euh, un méchant beau double, double, double top sur le QQQ que tu viens de montrer en 2021, c'est pour cette raison que je pense que ça va se corriger à la baisse pas mal. Euh, pas mal, je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'on est sur un double top, mais est-ce que ça va se corriger pas mal? Je ne sais pas c'est quoi pas mal pour toi, là. mais moi pas mal là. Si tu me parles de retourner un an en arrière, ça c'est beaucoup, c'est énorme. Euh, attends, où est ce qui mon cas de marché, euh, je ne peux pas faire de prédiction là-dessus, bien honnêtement, là, ça serait vraiment mal placé pour moi d'arriver et de dire euh, quelque chose là-dessus. Euh, on a eu des, une correction, euh, là, quand même pas si longtemps, ta minute, là. Où est-ce qu'on avait descendu à quoi? 311? Ça se peut-tu? 329? Je vais essayer d'aller chercher une pers perspective. Euh, euh, bon, euh, tu vois, on est quand même, comme je te dis, je ne sais pas c'est quoi pas mal pour toi. Il euh, faudrait que tu me donnes des chiffres, quelque chose. Euh, J'aime ça travailler avec des chiffres, des nombres. Au moins, ça donne un, une idée de, de référence. On est encore quand même loin. Là. On est sur des tops. On est, on est fort. Puis là, présentement, tu vois, on n'a pas franchi encore le, le support de 330. On est à 331. Fait que là où ce qu'on s'en va, on ne sait pas vraiment. On est en attente d'une nouvelle, de quelque chose, une nouvelle, une vraie nouvelle positive. C'est ce qui se passe présentement euh, sur les marchés. Euh, ça, c'est le Nasdaq. Le Dow Jones, on va aller voir. Euh, Qu'est-ce qu'il y a avec le Dow Jones? Notre industriel. Ah, c est, c est, ça, ça ressemble pas mal encore à ça. On est sur un rebond ici. Là. Euh, on a traversé la résistance ici. Euh, euh, je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus, là. à part de ce que je disais tantôt. Euh, je vais me répéter si je continue. <laughs> Ça ne sera pas drôle. Euh, donc, encore là, comme euh, on a une résistance ici. Donc, on se promène, on se promène là-dedans. Là. Euh, C'est le marché qui cherche. On, on est sur des mouvements neutres forts. Fait que. Le, 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 J'ai remarqué de, dernièrement Toronto. Toronto qui, quand même, m'étonne par ses performances euh, dernièrement. Là. <coughs> euh, il m'étonne beaucoup parce que d'habitude, il est toujours plus calme que les autres. Puis là, ben, dernièrement, il, y a, il, y a, il me donne euh, l'impression d'être un peu plus fort, si on pourrait dire. Sur les hausses. Euh, on va aller voir loin, plus loin en arrière. Euh, Mia qui me dit que mon son est un peu trop bas. T'es-tu sérieuse? <coughs> euh, ah, ah, bon, je réglerai ça. Je parlerai un petit peu plus fort <coughs> euh, au lieu de monter mes gains parce que le, 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 <laughs> le volume de. De, de, de mon micro. Il est à l'autre bout. Il faudrait que je me lève, puis là que j'aille là-bas. Là. C'est un petit peu trop loin. Là. Fait que je parlerai un petit peu plus fort, mais merci pour l'information, c'est gentil. Donc, c'est ça. Le, le, le Toronto. On a un mouvement neutre ici. On a un mouvement neutre. Ça, c'est le mouvement de côté. Le mouvement neutre. Dernièrement, depuis la fin mars, on a eu un élan aussi sur Toronto. Comme je disais tantôt, j'ai remarqué dernièrement Toronto, là, <coughs> le SPTT, euh, il, il affiche quand même des bonnes performances. Là. Euh, un autre mouvement de côté ici. Puis là, ben, on est après plafonné. Un petit peu plus loin, on va essayer de changer un peu la perspective de tout ça. OK. Euh, Marquette. Euh un euh, marché, euh, attends, liste, SPTT, hop, oh, il veut pas me le donner. Ah, OK, bon, Alors, on va se contenter de ça ça. Fait que là, on est sur Toronto. <coughs> le marché, il fait pas mieux. il, il était plus performant dernièrement. <coughs> J'ai un chat dans la gorge. Il n'y a pas de Maggie ici. Euh, fait que c'est ça. Là, présentement, c'est ça. Il fait comme les autres marchés. Il se cherche, malgré que dernièrement, <coughs> il a donné quand même des bons signes de performance. Euh, un, un, un. Puis le spy, c'est <coughs> encore là, la même chose. C'est... Dans le fond, c'est rien que ça qui se passe là, c'est que les marchés se cherchent. On est en attente, je ne sais pas de quoi, peut-être d'une hyper bonne nouvelle. Euh, Peut-être qu'on attend de dire Bon, ça y est, il n'y en a plus de virus ben, c'est. <laughs> on, on a encore à faire un, un bout là-dessus. On a fait un bout de ses coudes euh, quand on regarde les. Le, 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 les, les, euh, les statistiques, là, ce qu'ils disent là, euh, de ce que ça a fait euh, euh, le, le nombre de pertes de vie. Puis tout ça, là. Alors, on aimerait bien ça entendre ça, là, mais on n'est pas rendu là encore. La vaccination dans pas mal de pays, euh, ils ont enclenché pas mal euh, ça, justement pour corriger ça. Mais d'ici à ce temps-là, d'ici à ce que ce soit, à ce qu'on n'ait plus vraiment d'ombre de ce virus-là, <coughs> on a encore un bout à faire. Donc, les marchés, d'après moi, ils vont chercher encore un bout, à moins qu'il y ait une hyper bonne nouvelle. Qui vient s'en mêler dans ça. Là. Euh, donc, ça c'est le Comme je vous disais tantôt, pour revenir à nos moutons, comme je vous disais tantôt, euh, décision plus euh, décision plus travaille sur euh, plusieurs euh, projets en même temps. Donc, changer, changer le, 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 le gourou, euh, rendre ça plus informatif euh, pour la clientèle il <coughs> euh, y a des choses qui vont changer de ce côté-là. Il va y avoir des cours qui vont se donner en français. Fabien, il travaille là-dessus présentement. Euh, euh, il travaille là-dessus justement, on est après monté ça pour updater les cours à Michel. Que, les cours que Michel lui donne sont très bons, mais il faut updater. À l'époque des que, que enregistrements, euh, j'ai justement un ici. Ça fait quand même un certain temps, là. Fait que des choses qui se sont rajoutées sur les marchés, euh, les SPAC quand on pense aux SPAC, les choses comme ça, euh, ça n'existait pas à l'époque. il va y avoir un, un refresh qui va être là dedans. Euh, là dedans, il va y avoir l'utilisation de nos logiciels Trader Plus, euh, Market Vision Plus. Euh, euh, probablement ça, j'en ai pas discuté euh, encore, mais. Probablement qu'on va parler de gourou aussi dans ça, l'utilisation de gourou. Je ne sais pas. Je, là, je, <laughs> je dis quelque chose, puis j'ai aucune ressource qui peut confirmer ce que je viens de dire en ce qui concerne euh, l'utilisation de gourou. Je sais qu'il y a des choses qui vont changer. Euh, on, maintenant, depuis le 28 février officiellement, euh, décision plus, le, le staff, il travaille à partir de la maison. Ce n'est que du télétravail. On s'arrange très bien. Euh, S'il les, 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 y a des interventions du, du personnel technique, euh, ils font ça à distance. Si j'ai besoin d'aide, comme ce matin, j'ai eu des troupes de micro. Carl euh, qui a embarqué dans la machine pour checker les configurations de Windows. Je ne sais pas pourquoi ça a dit, les configurations se sont effacées. Puis pourtant, lundi, ça fonctionnait quand on a fait les tests. Euh, fait que de plus en plus, c'est comme ça. C'est le télétravail quand c'est possible. Puis de côté décision plus, même si on est chacun chez soi, <coughs> puis qu'on travaille de la maison, on veut vous donner euh, le coaching que vous, que, que, que vous. On veut répondre aux besoins de la clientèle, le, le coaching. On veut pas arriver juste à dire, bon, ben euh, hop, euh, travailler avec nos produits, c'est des bons produits, puis que ça finit là. là. Non, 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 non. On veut donner le coaching qui va avec ça, euh, le plus possible, dans la mesure du possible. Euh, comme Michel l'a dit si souvent, <coughs> on, on connaît pas, on n'a pas la connaissance infuse de ce qui se passe, mais on donne notre gros possible. Puis à 80%, c'est une très bonne moyenne. Euh, contrairement à certains, euh, certains cours qui se donnent où ce ça coûte des milliers de dollars. On donne un, un coup puis après ça arrangez-vous. Euh, nous c'est pas ça, c'est pas ça du tout qu'on fait. Ce n'est pas ça la, la mentalité de la compagnie. C'est vraiment de euh, donner à la clientèle euh, euh, ce qu'elle a de besoin, se nourrir, nourrir la clientèle pour pouvoir toujours continuer, continuer. Euh, c'est ce qui se passe, euh, c'est vers ça qu'on s'en va, c'est là-dessus qu'on travaille. Euh, quotidiennement, hein, tous les jours. Euh, euh, Fabien, Jean-Pierre, puis moi, on cherche à, à, à trouver les nouvelles qu'il faut euh, pour pouvoir... On cherche des indicateurs, en fait, parce qu'on est des chasseurs de mouvement. On est des day traders. Euh, donc, on, on, quand on fait du day trade, c'est le mouvement qu'on cherche, les volumes, les mouvements qui peuvent être profitables pour nous. Euh, C'est ce qu'on fait quand on est day trader. C'est Michel, ça fait longtemps qu'il fait ça. Comme je, je vous avais expliqué plus tôt au début de mon intervention, moi j'ai commencé à suivre Michel quand il était à LCN, pas LCN, euh, le canal argent. Euh, J'allais travailler, je travaillais de soir à cette époque-là. Euh, je me levais vers euh, euh, 10h30, 11h moins un quart avec mon café dans les mains. J'écoutais le feu de l'action. J'écoutais euh, ce que Michel avait à dire. Puis mon premier, premier réflexe dans ça, ça a été enfin quelqu'un qui parle un langage que je comprends, puis euh, un langage qui parle le même langage que moi. Ça a été mes, ma première impression et ça n'a pas changé aujourd'hui. Donc, euh, euh, c'est. Puis la mentalité de décision plus, c'est rester encore avec ça. Euh, parler un langage que les gens comprennent, euh, euh, chasser les, comme on, on disait tantôt, chasser les mouvements euh, dans les marchés, tirer notre épingle du jeu. Merci, bonsoir. On passe à une autre journée. C'est comme ça euh, la bourse quand on est des traders. Euh, Powell à deux heures. Oui, merci, euh, Mathias. Euh, oui, j'ai lu ça. ça euh, j'ai lu un matin que. Euh, il, était, il y avait quelque chose encore, le, le, je pense à, je ne sais pas si ça a du rapport avec le 2.2 trillion que M. Biden et son projet. Là, euh, je ne sais pas si ça a rapport avec ça. De toute façon, on va le voir quand on va regarder les nouvelles sur CNBC, tout ça, ils vont sûrement en parler. Euh, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est tranquille. Je ne sais pas comment est-ce qu'on est, hein? Euh, fait que c'est quelle heure qui est Il est une heure et quart, une heure et 16 euh, Je vous remercie beaucoup de votre patience avec moi. C'est ma première intervention ever. J'ai joué dans des groupes de musique. J'ai été technicien de son pour des groupes de musique. J'ai fait plein de choses, mais ça, c'est vraiment une première pour moi. Je suis toujours, <laughs> je suis toujours ouvert aux nouvelles expériences. C'est pas 58 ans qui va m'arrêter. Fait que je vous remercie beaucoup pour votre patience. Michel, on garde une bonne pensée positive pour toi. On espère que ça, tout se passe très bien pour toi. Euh, puis, je pense pas qu'il va y avoir de, 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 de problème parce que l'opération est quand même c est, c est pas... Euh, je tiens pas à minimiser, là, mais c'est quelque chose qui est sur le bas qui vont y enlever. Là. Fait que euh, je pense que ça, ça devrait bien se passer. Mais on garde quand même une bonne pensée positive pour toi, Michel. Puis euh, merci pour tes bons mots avant que tu ailles quitter. Merci euh, pour tes bons mots pour m'encourager. Merci à l'équipe pour votre support. On a eu des petits troubles techniques, puis Carl euh, était là. Euh, Fabien et Jean-Pierre m'ont confirmé que tout se passe bien. Donc, euh, merci d'avoir été là. Euh, on revient demain matin. Pour euh, l'émission de 9h avec euh, Michel. S'il y a quelque chose de spécial, bien, euh, ferai peut-être une autre intervention tantôt pour euh, deux heures, deux heures et quart. Euh, je ne sais pas encore. Je ne suis pas décidé. On va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. On va y aller au fur et à mesure. Donc, merci. Passez une belle après-midi. Au revoir. Bon. Euh, 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 on cherche encore. Euh, 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 euh,